Si vous jouez chasseur sur Destiny 2, je vous présente votre nouveau build préféré. Et même si vous n'êtes pas un chasseur, je pense que vous allez le devenir avec ce petit build. Regardez ici, on roule sur le boss, les deux champions. On a vraiment tout détruit. Et euh, voilà, on reste en vie sans problème. Nous sommes en difficulté master à, sur le secteur perdu du jour. Donc on est à peu près à 20 de puissance en dessous de la puissance suggérée. Et clairement, on roule sur ce secteur perdu. Vraiment sans problème. Donc le but ici de ce build, vous allez voir, ça va être d'avoir le buff Mighty C constamment. Qu'on va en plus stacker avec d'autres buffs de résistance super intéressant. On va en parler et ensuite ça va être d'avoir trois grenades différentes en termes d'options qui à chaque fois qu'on va les utiliser vont nous permettre justement d'obtenir euh, Mighty C et ses autres buffs. Donc Mighty C, je vous rappelle, vous voyez ici sur le gameplay, hein, c'est ce, ce petit euh, buff qui va vous donner 45% de réduction euh, de dégâts. On va comboter ça avec l'armure de givre, donc peu importe ici euh, l'option au niveau des exotiques que vous allez avoir, tout le monde va avoir accès également à l'armure de givre qui, lorsqu'il est x5, va nous donner 22,5% il me semble. De réduction euh, de dégâts également. Et en plus, on va comboter si vous avez euh, les bons Godroll tout ça avec du surbouclier. Voilà, on va avoir de l'amplification euh, tout le temps, potentiellement de la radiance. Donc voilà, il y en a vraiment dans tous les sens. Niveau survivabilité, c'est ouf. Il y a une option avec un casque exotique. Tout le monde va l'avoir, donc tout le monde peut faire ce build. Et ensuite, évidemment, on va parler des objets de classe exotique qui seront un petit peu mieux selon les perks que vous avez. Mais globalement, le but ici, c'est d'avoir tout le temps une des trois grenades de disponibles, toutes les 10, 15, 20 secondes à peu près. Et du coup, à chaque fois qu'on va utiliser une de ces grenades, d'avoir my C. Et si derrière, en plus, on peut avoir les autres bonus, ça va évidemment être intéressant. Allez, trait de bavardage, je pense que vous avez vu assez de gameplay. On parle de tous les détails de ce build dans cette vidéo. Et évidemment, vous, avez, vous allez avoir le lien d'IM dans la description. Comme ça, vous pouvez faire copier-coller tout simplement on en parle tout de suite c'est parti donc c'est parti pour ce build chasseur encore une fois je l'ai utilisé en gm et sur le secteur perdu en master cette semaine et franchement c'était un régal les vidéos build prennent pas mal de temps à faire donc si ça vous plaît si ça vous est utile si vous apprenez quelque chose n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et à partager, etc. Merci à tous. Donc, je vais vous montrer ici trois options. L'option comme je l'utilise moi, si vous avez le vrai God Roll sur l'objet de classe exotique. Par contre, si vous ne l'avez pas, j'ai deux autres options pour vous. Une avec un casque exotique que tout le monde va avoir et une avec un autre objet de classe exotique qui a une des deux paires qui nous intéresse. Et quoi qu'il en soit, le résultat va être quasiment le même. La seule différence, ça va être la grenade qu'on utilise et si vous avez le godroll comme moi, on va pouvoir en plus de C et de l'armure de givre avoir euh, un petit surbouclier mais c'est la seule chose qui change. Vous allez quand même pouvoir avoir C et l'armure de givre. Donc ce 45 de réduction de dégâts plus le euh, 25 de réduction de dégâts, tout ça vous allez pouvoir l'avoir sans problème même si vous n'avez pas le godroll comme moi. Je voulais juste vous montrer un comparatif de la réduction de dégâts avec les buffs et sans euh, les buffs. à décider dans le même secteur perdu, face au colosse, donc au bloqueur. On va le laisser euh, nous tuer et si vous comptez, ça va prendre ici 10 coups euh, avec euh, sa batteuse pour pouvoir nous tuer. Ici, on va activer les deux buffs, donc la Mighty C et l'armure de givre qu'on va monter jusqu'à 5. Et ça prend cette fois-ci 19 coups, donc presque le double avant de mourir. Vous le comprenez, hein, la réduction de dégâts est clairement augmentée et on arrive à survivre beaucoup plus facilement. Donc je vais vous montrer les options au niveau exotique. Quoi qu'il en soit sur les trois options, le but ça va être de lancer notre grenade et lorsqu'on lance cette grenade, ça va nous donner Mighty C. Je vais juste vous montrer juste avant du coup le délire avec le super. En fait, on va utiliser ici la facette de détermination qui nous dit que lorsqu'on ramasse une orbe de puissance... On a un buff selon euh, le super qu'on a d'équipé. Donc, le mighty vous allez l'avoir avec votre grenade. Par contre, si vous n'avez pas le god roll comme j'ai moi, que je vais vous montrer, que vous avez le casque ou euh, l'autre roll sur la cape, on va plutôt mettre ici euh, le super stasique qui lui va nous donner l'armure de givre lorsqu'on récupère une arme de puissance. Et donc, vous avez armure de givre et mighty quasiment constamment ou en utilisant votre grenade ou en récupérant une arme de puissance. Si vous avez le Godroll comme moi sur la cape, on va plutôt utiliser euh, le Super Abyssal. Je vais vous montrer après pourquoi. Euh, parce qu'on va en plus d'avoir tout ça, avoir un petit surbouclier. Donc ça ajoute un petit peu en survivabilité Mais franchement, ça ne change pas grand-chose si vous n'avez pas le Godroll comme j'ai moi. Donc niveau du casque, si vous n'avez pas d'objet de classe exotique, vous allez utiliser la façade de Sirtarashn qui dit que, obtenez, que, vous, que vous obtenez Mighty C lorsque vous utilisez votre grappin. Donc pareil, euh, ça va être exactement le même délire, sauf qu'il faut utiliser le grappin. Donc pour vous, si vous utilisez le casque, vous allez le mettre de cette façon-là, euh, grappin avec ici, encore une fois, euh, le souffle et silence. C'est la même chose, hein. là-bas c'est un build qui est censé être, euh, être fait avec le grappin de toute façon. Donc ça va très bien marcher. À chaque fois que vous activez votre grappin, euh, même si vous vraiment vous vous propulsez pas, hein, mais juste vous lancez le grappin et vous l'annulez, ça vous donne Mighty C constamment. Et ensuite, euh, Armure de give lorsque vous récupérez euh, une orbe. Par contre, si vous n'utilisez pas le casque et que vous avez un rôle comme celui-ci, qui a Esprit de Sir sur. Euh, la cape, ensuite l'autre ici, euh, rôle peu importe, c'est vrai que l'esprit de caliban ça marche pas mal également, mais c'est surtout Sir Tarash, qui nous, Sir Tarash qui nous intéresse. Vous obtenez la Mighty lorsque vous utilisez votre grenade, donc celui-ci par contre, pas besoin d'être euh, que ce soit le grappin là, vous pouvez utiliser n'importe quelle grenade. Donc moi j'aime bien utiliser de toute façon la grenade à champ crépusculaire, donc pareil, on va utiliser notre grenade à champ crépusculaire, on va obtenir Mighty C et on va garder le souffle et silence lorsqu'on ram ramasse une arme de puissance. Pour avoir euh, du coup notre euh, armure de gel en plus. On va voir évidemment après les aspects, le reste des fragments, etc. Mais je vais juste vous expliquer cette partie-là pour que vous compreniez bien. Si vous avez par contre le God Roll comme j'ai moi, je vais vous montrer juste ici. En tout cas, c'est ce que je considère ici le God Roll. On va encore une fois avoir l'esprit de Sir Tarashn, mais on va l'avoir avec l'esprit du renouveau. Donc l'esprit du renouveau nous dit quoi Les alliés à l'intérieur du rayon d'action des grenades à champ crépusculaire gagnent armure de givre. Et les dégâts infligés par les cibles à l'intérieur de cette zone sont réduits. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a notre grenade au final à champ crépusculaire. Donc c'est le dôme euh, de glace. Celui-ci, on peut l'utiliser comme grenade offensive, tout simplement pour aller geler les ennemis. Ou alors en grenade défensive, on se la met euh, sur les pieds, on rentre à l'intérieur. Et boum, on a euh, l'armure de givre. Ou alors, tout simplement, on peut passer à travers. Et pareil, avoir notre armure de givre qui peut monter euh, jusqu'à 5, justement. Donc, ça, ça ajoute euh, une petite survivabilité. Et ça, ça nous ajoute, en fait, une façon différente d'avoir armure de givre. Donc, au lieu d'avoir d'armure de, de givre en récupérant une arme de puissance, cette fois-ci, on l'a en utilisant notre grenade en même temps que Mighty C directement. Donc, vous comprenez le combo. Et donc, ça nous permet, sur la doctrine, d'enlever le super euh, stasique et de mettre le super abyssal, du coup pour comboter avec la facette de détermination, qui cette fois-ci va nous donner un surbouclier lorsqu'on récupère une arme de puissance. Une arme de puissance. Donc vous comprenez euh, le délire si vous avez vraiment le God Roll comme j'ai moi, c'est on balance un doigt crépusculaire, on a directement Mighty on a directement l'armure de givre si on passe à l'intérieur de la grenade. Et en plus, on a pu changer notre super pour ajouter du contrôle et en plus avoir très souvent un surbouclier. Donc peu importe l'option que vous avez, de toute façon, ça va très bien marcher. Évidemment, celle-ci, c'est la meilleure version, mais il faut le god roll Mais quoi qu'il arrive, le reste du build que je vais vous montrer, au niveau des fragments, des aspects, des stats, etc., ça va rester la même chose pour tout le monde. Ça ne va pas changer. Allez, pour le reste de la doctrine, du coup, au niveau des compétences, j'utilise esquive euh, du sniper parce que euh, c'est celui qui a euh, la réduction. Euh, la plus basse, donc ça m'intéresse. Ensuite, j'utilise la pointe entrelacée. Donc celle-ci, c'est à vous de voir. Vous pouvez utiliser celle-ci ou pourquoi pas euh, les shurikens. Euh, c'est vrai que voilà, selon après les fragments, si vous utilisez la facette de solitude ou non, peut-être que la pointe entrelacée est un petit peu moins utile. Ça, euh, à vous de voir ce que vous préférez. Et évidemment, la grenade musculaire si vous avez les objets de classe exotique, Godroll ou non, ou alors le grappin si vous utilisez évidemment le casque. Niveau des aspects, alors le plus important, ça va être jouer avec la poudre. Alors celui-ci vous dit que éliminer des cibles avec des compétences, euh, avec des compétences tout simplement, des dégâts de malus élémentaires ou des armes solaires pour charger un explosif solaire. Donc évidemment, on va utiliser des armes solaires pour avoir ça toutes les quelques secondes. Également, le malus élémentaire, on va justement l'avoir avec ben, ou euh, nos compétences, donc tout ce qui est euh, super ici, euh, grenade et, et attaque de mêlée, ou avec notre autre aspect, on va en parler juste après. Pareil, vous allez avoir plusieurs options au niveau des aspects. Euh, et ce, cet, ex cet explosif, pardon, c'est euh, voilà, le bâton de dynamite, vous le tirez sur l'ennemi ou vous le laissez exploser tout seul, ou alors vous tirez dessus et là, ça l'explose. Et ça, en fait, vu qu'il y a plusieurs façons d'obtenir, on l'a toutes les 10-15 secondes à peu près. Et en même temps, à chaque fois qu'on le lance, ça compte comme une grenade. Et donc, ça nous donne Mighty C. D'où ici euh, beaucoup de survivabilité grâce à ça. Donc, niveau des aspects, les plus intéressants, ça va être Ascension, euh, qui va appliquer des secousses. Qui est donc ici euh, un malus élémentaire. Euh, il est dans euh, le malus de lumière. Et euh, ça vous donne l'ascension tout simplement, c'est juste pour appliquer ce malus. Vous pouvez également, si vous préférez, utiliser par exemple euh, le voile de l'hiver, qui lui, lorsque vous allez esquiver autour des ennemis, va ralentir les ennemis à proximité. Ça marche aussi. Moi, je préfère l'ascension. Euh, ce, voilà, c'est un style de gameplay un petit peu différent, euh, mais là-dessus, vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez. Après, les autres aspects, je ne pense pas que ça marche vraiment. Voilà, les deux plus intéressants, ça va être l'ascension et le voile de l'hiver, ou... On applique justement un débuff élémentaire à l'ennemi, ce qui nous permet de charger encore plus rapidement euh, notre explosif solaire, en plus euh, des kills de compétences et des kills solaires qu'on va faire. Niveau des fragments, facette de protection, ça on le met tout le temps de toute façon. Lorsqu'on est entouré d'ennemis, on résiste mieux aux dégâts, c'est simple. Ensuite on utilise celui-ci, facette de ruine augmente la taille et les dégâts de la rafale lorsque vous brisez un cristal de stase ou que vous gelez une cible et augmente également la zone euh, d'effet des embrasements solaires. Donc ça, vu qu'on va utiliser ici notre grenade à champ crépusculaire, à moins que vous ayez mis le grappin, euh, si vous avez le casque peut-être faut changer ça, mais sinon pour la plupart... On va utiliser le grenage en crépusculaire. On va derrière utiliser un explosif solaire et des armes solaires. Donc évidemment, ça vient comboter avec la facette de ruine qui en plus nous donne 10 mobilité. Donc ça nous intéresse évidemment pour le chasseur. Ensuite, pour encore plus de survivabilité, j'utilise facette de solitude qui nous dit que réussir des tirs de position, précision pardon, émet une rafale de sectionnement euh, qui part de la cible, etc. Donc tout simplement, pareil, ça réduit les dégâts que nous font les ennemis. A discuter au niveau de ce fragment également. Si vous utilisez la pointe d entrelacée qui fait la même chose au niveau des, du sectionnement, peut-être que vous pouvez remplacer ça si vous voulez. Moi, je voulais vraiment avoir un max de survivabilité. Ensuite, on a parlé déjà de la facette de détermination. On récupère une orbe, vous allez avoir ou l'armure de givre ou le surbouclier. Niveau facette d'espoir ici, quand vous bénéficiez d'un bonus élémentaire, votre compétence de classe se régénère plus rapidement. Donc, ça, bonus élémentaire, on va avoir. Avec l'ascension amplificateur tout le temps, euh, en tout cas quasiment. Euh, on va avoir euh, du soin grâce à nos armes solaires, on va en parler. On va avoir de la radiance grâce euh, au mode de la saison. On va avoir également du surbouclier, on va avoir armure de givre et on va avoir Ma Mighty C. Donc vous le comprenez, euh, on les a tous quasiment en même temps. Et ensuite ici, facette de réveil éliminer rapidement des cibles à l'aide de dégâts de lumière. Des ténèbres ou des frags de super euh, génère un objet élémentaire du type de dégâts correspondant euh, et lorsqu'on va récupérer ça, de toute façon, ça va euh, justement recharger nos compétences, ce qui nous intéresse évidemment. Donc selon ici le voilà le type de dégâts que vous faites, vous allez ou recharger votre mêlée ou votre compétence de classe ou votre grenade euh, plus rapidement et pareil le but c'est tout le temps d'avoir un petit peu nos compétences. Euh, qui soit prête à l'utilisation. Alors, niveau des armes, la chose qui va être importante, en tout cas, moi je trouve, pour vraiment du endgame, le seul petit problème, on va dire, avec ce build, c'est qu'on n'a pas de soins. On n'a pas de soins, donc on a beaucoup de résistance, mais on arrive à un moment, euh, on, vous allez voir sur les stats, on n'a pas beaucoup de récupération. On arrive à un moment, si on s'est pris trop de dégâts, euh, voilà, il va falloir trouver une petite solution pour se soigner, donc on va utiliser des armes qui vont euh, nous permettre de nous soigner. Donc, les trois meilleures options. Euh, que je vais vous présenter qui sont aussi des armes solaires puisqu'on a dit qu'on veut potentiellement utiliser des armes solaires pour justement activer euh, le jouet avec la poudre et avoir cette grenade constamment pour activer justement Mighty C. Alors vous avez la mort rouge réformée qui est l'exotique de la saison. Si vous avez fait le catalyseur, normalement tout le monde va le faire. Hein, vous l'avez de toute façon lorsque vous montez niveau 145. Euh, lorsque vous rechargez, ça va vous soigner. Donc ça c'est super intéressant. L'action aberrante également, qui est une arme de saison qui est forgeable. Pareil, vous allez le forger avec chargeur de guérison et incandescent. Ça va évidemment vous soigner. Ça marche très très bien. Et ensuite, on a le hurlement de Luna. Alors, moi je ne l'ai pas ici, mais vous pouvez également l'avoir avec incandescent et euh, la perte qui va vous soigner. Donc, c'est une très bonne option euh, si vous voulez utiliser cette option. Vous pouvez, vous pouvez aller euh, la farmer évidemment dans l'activité agression. À savoir que dans quelques jours, il va y avoir deux changements importants sur le jeu. Sur l'activité agression, vous allez pouvoir concentrer les armes qui vous intéressent le plus. Donc, vous allez pouvoir concentrer le hurlement de Luna et aller le farmer et en avoir beaucoup plus. Et également, il y a un nouveau farm pour les objets de classe exotique euh, qui devrait arriver dans quelques jours qui vous permet d'avoir. Euh, plus souvent des objets de classe exotique et donc plus, plus de chances d'avoir les godrolls. J'en ai parlé de toute façon dans ma euh, dernière vidéo où on parle un petit peu euh, des nouveautés. Donc voilà, c'est trois des euh, armes à utiliser. Après, rayon de soleil par exemple, ça va très bien marcher également, sauf que ça ne va pas vous soigner. Donc à vous de voir, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une arme qui vous soigne, mais c'est vrai que moi ici, c'est mes préférés. Et en primaire, on ajuste selon euh, l'activité qu'on fait. Moi, je joue souvent comme ça, hein, euh, avec l'infection parfaite. Par exemple, en lourde. On va vouloir, si possible, une arme solaire qui va matcher justement euh, notre deuxième arme solaire. Niveau des stats, alors on va vouloir sans discipline évidemment, hein, c'est le but, c'est d'avoir nos grenades constamment. Encore une fois, on a cette rotation entre la grenade rébusculaire ou le grappin la petite euh, brique de dynamite euh, solaire et également la grenade transcendance. Alors lorsque vous êtes en transcendance vous êtes déjà vous êtes tout le temps en transcendance mais lorsque vous l'avez la grenade elle est là constamment également donc on a tout le temps tout le temps maïtissé donc évidemment sans discipline, sans résistance c'est évident et ensuite sans en mobilité pour le chasseur parce que on va vouloir utiliser notre ascension très souvent également et donc euh, récupérer notre compétence de classe plus rapidement. Vous le comprenez, on va vouloir 100 en mobilité. On va voir un petit peu euh, les modes également. Donc là-dessus, on est parti sur un siphon solaire. Alors vous le comprenez encore une fois, le but c'est d'avoir euh, nos grenades tout le temps. Donc on va essayer de trouver des façons de récupérer nos grenades et également de créer des orbes pour avoir justement le surbouclier grâce au super ou euh, l'armure de Gibbs grâce au super selon ce que vous avez mis. Donc siphon solaire, encore une fois, ici, parce qu'on utilise une arme solaire. Et même voir le siphon. Uh, cinétique pour lorsqu'on utilise nos armes cinétiques, faire des orbes également. Là, c'est à vous de voir. Hein. Uh, vous pouvez adapter évidemment, mais le but c'est d'avoir un maximum d'orbes et ensuite des munitions, donc munitions vertes ou munitions lourdes uh, selon ce que vous faites. Moi là actuellement, j'utilise des actions aberrantes donc je veux surtout des munitions uh, vertes. Ensuite, uh, sur uh, les gants, j'ai mis ici d'ailleurs ça, uh, petite astuce de, du copain Hades. Merci à toi, Hades d'ailleurs. Euh, voilà qui m'a aidé un petit peu euh, sur ce build qui a eu l'idée justement de la grenade crépusculaire avec ce rôle donc on va augmenter la vitesse de rechargement des armes solaires notamment l'action aberrante lorsqu'on recharge on se soigne donc si on recharge plus vite ça nous intéresse évidemment vous pouvez l'enlever si vous n'utilisez pas les armes qui soignent c'est pas très grave et ensuite on est venu chercher deux récupérateurs d'impact qui lorsqu'on inflige des dégâts avec une attaque de mêlée chargée réduit le délai de récupération de notre grenade ça on va le faire très souvent également sur le torse on met que des de toute façon ici des modes d'armure de résistance c'est ce qui nous intéresse ensuite sur les bottes on a mis une surcharge d'armes solaire voilà qui va matcher euh, notre arme solaire euh, principale qu'on utilise et notre arme lourde pour faire un petit peu plus de dégâts avec nos armes solaires même si c'est pas le but ici de ce build ça aide pas mal et ensuite ici deux innervations qui dit que on réduit le délai de récupération pardon, de notre grenade lorsqu'on ramasse une arme de puissance. On va les faire justement avec nos armes solaires. Donc vous le comprenez, la synergie. Hein on fait des armes fait des de puissance avec nos armes. On les récupère. Ça nous donne un bonus grâce à notre super. Et en même temps, ça nous, donne, ça nous redonne notre grenade qu'on utilise derrière. Qui nous permet d'avoir Mighty C. Voilà. Vous comprenez la synergie niveau surv survivabilité. C'est euh, ouf. Ensuite, sur le relativisme ici, personnellement, j'ai mis... Euh, ramasse automatiquement les ordres de puissance proches lorsque vous activez votre compétence de classe. Ça, c'est pour pas s'embêter pour les ramasser directement. J'ai mis ici un bombardier, pareil, qui nous rend notre grenade lorsqu'on utilise notre compétence de classe. Donc, vous le comprenez, toutes les compétences qu'on utilise, elles vont nous rendre notre grenade. Hein, ça va être notre priorité. Et ensuite, j'ai mis ici distribution, réduit euh, tous les délais de récupération lorsque euh, vous utilisez votre compétence de classe pardon, à proximité des cibles, ça que vous avez choisi euh, l'aspect euh, cryoélectrique comme moi avec l'ascension ou l'aspect euh, de, de glace, ça va être la même chose hein, de toute façon et vous allez tout euh, récupérer grâce à ça euh, plus rapidement et donc c'est super intéressant ici sur euh, les modes d'artefacts alors les options encore une fois les modes d'artefacts les amis ils ne sont pas obligatoires donc quand la saison se termine s'il n'y a plus ces modes là c'est pas grave le build marchera quand même toujours mais c'est vrai que cela ils aident quand même le build à euh, être encore plus intéressant. Donc, on a orbe radieux. On va ramasser, euh, lorsque vous avez une doctrine solaire ou prismatique, là, on a une doctrine prismatique. Lorsqu'on ramasse un orbe de puissance, on récupère Radiance qui, par Radiance, va nous aider à nous soigner un petit peu plus rapidement. Donc, évidemment, c'est une autre chose qu'on fait en récupérant des orbes de puissance qui est intéressante. Donc, vous le comprenez, le but, c'est vraiment de faire pas mal euh, d'orbes de puissance. Ensuite, broyeur de bouclier. Lorsque vous avez Mighty C, Armure de givre ou un surbouclier, votre mêlée se recharge plus vite. Donc là, vous l'avez vu, euh, limite, on va avoir les trois. Enfin, si vous avez le Godroll comme moi, on a les trois tout le temps. Donc là, euh, euh, mêlée qui se recharge plus rapidement. Et lorsque vous avez amplificateur ou radiance, les deux, on va les avoir en utilisant votre compétence de classe ou en récupérant des orbes également, votre grenade euh, se recharge plus vite et inflige plus de dégâts. Vous comprenez, la, syner la synergie avec ce mode-là est complètement ouf. Hein? Lorsque vous avez... Euh, doctrine prismatique ici, euh, les dégâts subis de la part des combattants sont réduits lorsque vous êtes sous l'effet d'amplificateur. Donc encore une fois ici, l'amplificateur avec le tourbillon, on va l'avoir constamment. Donc ici, si vous êtes vraiment embêté, vous balancez votre grenade crépusculaire à vos pieds, vous récupérez armure de givre, vous récupérez euh, maïtissé, vous activez votre tourbillon dans la grenade, vous avez en plus amplificateur. Et là, avant de vous, avant de mourir, il en faut. Je vous garantis qu'il en faut avant de mourir. On récupère tout le temps ici euh, fulmination solaire. Vos embrasements solaires infligent plus de dégâts dans un rayon plus large vu qu'on va utiliser des armes solaires, notamment avec la perque incandescent. Et ensuite transfert, les dégâts de grenades et de mêlées augmentent lorsque vous êtes sous l'effet de transcendance. Voilà ça, on va toujours être sous transcendance de toute façon. Euh, donc c'est super intéressant à avoir. Donc voilà pour ce build de chasseur. J'espère que vous avez bien compris la synergie. Même si vous n'avez pas encore une fois le Godroll comme chez moi, ça marche très très bien. Avec un objet de classe exotique qui a Sirtarashn tout seul et également le casque que je vous ai montré. La seule chose qu'il faut faire encore une fois c'est changer le super ici et potentiellement changer pour le grappin si vous utilisez euh, le casque. Mais sinon c'est à peu près la même chose peut-être il faut aj aj ajuster pardon, un ou deux fragments mais sinon euh, c'est la même. Le build est vraiment in sale les amis niveau survivabilité c'est une tuerie. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Encore une fois, vous avez tous les liens en description le lien de DIM si vous voulez faire un copier-coller, le lien du Twitch si vous voulez qu'on joue ensemble ou si vous avez besoin d'aide, et également mon lien Instant Gaming pour avoir jusqu'à 80 d'induction réduction sur tous vos jeux préférés, toutes les plateformes, etc. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour notre vidéo.